Une approche discrète. Je ferai ce que je dois faire. Bonne viande.
Je mangerai ça plus tard. Peut-être un moyen de la pirater, mais comment le trouver ? Bon, on y va. Bien s'il ne me cherchait pas. Pratique.
C'est bien. C'est sûrement là que les guerriers se sont fait massacrer. Tant de violence. La chef de guerre a peut-être laissé quelque chose, un indice sur l'endroit où elle est partie. Les Nora ont réussi à abattre un corrupteur. De nombreuses machines, contrôlées par les tueurs. Ils ont envoyé tout un troupeau en bas de la pente. Mais pas avant que les tueurs l'aient utilisé pour leur envoyer d'autres machines. Les morts et les blessés ont tous été déplacés. Il n'y a plus de braves ni de soigneurs ici. Je suis seule. Tu es blessée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant de choses. C'est la folie ici. La chef de Gersona m'a nommé messager. Je ne sers à rien dans cet état. Varl m'a dit que la chef de guerre avait suivi les tueurs. Elle les a trouvés? Je sais pas. On a suivi leur piste, mais on était sans arrêt attaqués par des machines corrompues. Mes blessures commençaient à me ralentir. Alors la chef de guerre m'a renvoyé dire aux autres qu'elle poursuivait le combat. Tu étais ici quand les guerriers ont été pris en embuscade? En effet. Je pensais qu'aucun jour ne serait plus sombre que celui de l'éclosion. Mais j'avais tort. La chef de guerre a été retardée, elle rassemblait l'arrière-garde. Trop pressée de se venger, les braves sont tombés dans un piège. D'un coup, des dizaines de morts. Si Sona n'était pas arrivée pour nous rallier, nous aurions tous été massacrés. Varl m'a envoyé chercher Sona. Tu sais où elle est en ce moment? Je peux seulement te dire où je l'ai quittée. Près de la tour de métal, au sud-est des ruines de la soif du démon. Regarde la côte juste derrière, celle avec le rocher. Je me dirige vers l'étreinte pour dire ce que je sais à Varl et aux autres. Que la toute mère te prête sa force. Toute seule, t'en auras besoin.
finissons-en. Ça se gardera. Sûrement la côte dont le messager de Sona a parlé. La chef de guerre s'est arrêtée. Ils ont dû prendre le temps de se reposer. Ça n'a pas dû être facile de continuer après l'embuscade. Ce vieil arc a connu bien des combats. Personne ne l'aurait abandonné volontairement. Sona a subi des pertes. Des bandages. Le messager n'était pas le seul à être blessé. Une piste de sang peut trouver fragments de flèches. La pluie lave le goût du métal. Des traces de pas et du sang. On dirait que Sona et ses braves se sont dirigés vers cette saillie. Dancy mort. De la main de Sona, peut-être. Elle est sûrement tout près. Thank you.
T'as de la chance que je sois passé. Une seconde de plus, et ce Dancy t'aurait complètement déchiqueté. Une seconde de plus, et c'était moi qui le tuais. C'est toi, la chef Sona ? Varl m'envoie te trouver. Il garde bien la porte ? Avec courage, oui. Je l'ai même vu abattre une machine corrompue. Mais il s'inquiète pour toi. On a besoin de force, pas de sentiments. J'ai retrouvé certains des tueurs de l'éclosion. J'ai besoin de vengeance. Et toi ? Tu n'as même pas idée. Prouve-le-moi, en combattant avec nous. Suis-moi. Les tueurs sont derrière cette saillie. Ils creusent le sol maudit. Le péché des anciens est enfoui dans cette terre, des démons corrupteurs. Je les connais. J'en ai eu un au guet de la mer. Si tu le dis, voyons si tu seras à la hauteur. Ça fait des heures que mes braves se cachent dans les arbres en contrebas. À mon signal, ils attaqueront. Les nids et ces machines démoniaques sont plus nombreux. Nous pouvons compter sur notre colère. On pourrait avoir mieux que ça. J'écoute. De la flambée. On l'utilise pour brûler, eux pour faire exploser. C'est de là que vient cette fosse. Alors on enflamme et ensuite... Boum. Alors c'est parti. Wow, wow. Attendez, pas trop vite. Je vais essayer d'approcher discrètement. Si jamais je me fais repérer, attaquer. D'accord. Prouve-nous ce que tu sais faire. C'est ici que tout s'achève.